Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'une toute nouvelle façon de jouer. Je vais bien sûr parler du Virtuex Omni. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je les connais depuis un bon bout de temps. Ils se sont fait connaître il y a seulement quelques mois d'ailleurs. Et j'ai pensé à faire la vidéo, mais je me suis fait devancer de quelques jours et là je rage. Bon, ceci étant dit, le Virtuex Omni pourrait quand même nous permettre de voyager dans des musées de l'architecture, de faire du sport... Franchement, c'est quasi infini les possibilités. Le système de la plateforme, en fait, il est simple. C'est un genre de tapis roulant. Et sous nos chaussures, il y a des petites billes et qui sont conçues pour entrer dans les genres de rainures à l'intérieur de la plateforme et qui font tourner le tapis roulant, quoi. De toute façon, je vous mets des gameplays en même temps que je suis en train de vous expliquer un peu comment ça marche. Je vous préviens, je fais un peu la vidéo à l'arrache. Je vous dis, je me suis fait devancer. Maintenant, faut un peu imaginer un FPS ou un Survival Horror là-dessus. Franchement, on serait totalement dans le jeu, quoi. Maintenant, parlons du plus important, ça c'est sûr. Parce que vous pourrez comprendre tout ce qui se passe via les gameplays, les photos, etc. Je vous mettrai tous les sites dans la description, leur page Facebook, leur chaîne YouTube, tout ce qu'il faut. Alors pour moi, les accessoires qui sont vraiment obligatoires et qui faut vraiment acheter... C'est d'abord le casque de réalité virtuelle, l'Oculus Rift. Il a déjà été présenté dans plusieurs vidéos sur YouTube, donc je vais pas vous en parler maintenant, ça sert à rien. Alors, la paire de chaussures, de toute façon, elle est comprise avec le Virtuex, donc ça, il n'y a pas de souci, sauf s'il faut en racheter une pour votre famille ou votre frère ou quoi que ce soit. Il y a le rack accessoire, il est à 80$, ce qui n'est pas obligatoire si on joue avec un fusil, c'est pour déposer le clavier, la souris ou un contrôleur de jeu, quoi. Maintenant, il faut un flag, ça dépend un peu de celui que vous achetez, donc tout dépend du prix aussi. La ceinture de maintien pour éviter de basculer en avant, en arrière, ben celle-là elle est à 90$. Maintenant, elle n'est pas obligatoire, on peut toujours s'habituer. Au bout d'un moment à jouer sort parce que c'est fort imposant je trouve, donc moi si personnellement je devais investir là dedans au bout d'un moment je la virerais. Maintenant le Virtuex il va bientôt être en pré-vente d'ici peu d'ailleurs au prix de 500$, donc ça reviendra au prix de 300-400€ au maximum. À mon avis ils peuvent pas le mettre beaucoup plus haut sinon ils risquent de pas trop le vendre. Ça fait quand même un joli total de 1000€ quand on y pense. Mais je pense que ça va quand même se démocratiser au moment où ils vont commencer à le vendre. Plus ils vont le vendre, plus ça va diminuer, c'est un peu comme tout. Maintenant, mon avis personnel, c'est que ça pourrait faire l'effet d'une bombe dans le monde du jeu vidéo. Tout le monde ne connaît pas Virtuex, mais ça ne va pas tarder maintenant que je sors la deuxième vidéo en français. J'ai essayé de vous mettre quand même un maximum d'infos dans cette vidéo assez courte, je l'admets. J'espère qu'elle vous aura quand même plu d'ailleurs. Parce que j'étais censé être le premier youtubeur à la sortir en français. Je me défonce vraiment pour ma chaîne. J'espère que ça se voit. Mais comme je suis nouveau, j'ai encore du mal à faire des facecam commentés et surtout vous prendre un bon texte. Enfin, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et faites tourner un max mes vidéos, ça me ferait super plaisir. Alors, je vous laisse sur ce petit gameplay de Ghost en partie publique. Et si vous avez un avis, mettez-le en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et salut les gens! Don't take A, guys. I mean, I don't know what you're waiting for. I'm afraid to die. SATCOM uplink enabled.
Enemy SATCOM uplink enabled. We lost Alpha. Enemy has Alpha. Friendly SATCOM active. Securing Bravo. Good job. Report to command for debrief.